sing Hosanna to the one who never dies, the one who was and is to come, Jehovah, the mighty great I am, you are Jehovah. You fight my battle and I hold my peace. I don't need to worry, I don't need to fight again. You are the mighty man in battle. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. You are Jehovah. Skip whenever you show up. You are the mighty man in battle. You are Jehovah, Jehovah. The mighty man of war. You are Jehovah. You are Jehovah, 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 Jehovah. Jehovah Lord, you are the mighty man in battle. You are Jehovah, Jehovah, the mighty man of war. You are Jehovah. Invisible God, there is none like you. Ancient King, you are worthy to be praised, God. You are the mighty man of battle. Oh God, you are Jehovah. The mighty man of war. You are Jehovah. You are Jehovah. You are Jehovah. You are Jehovah. Alléluia. Nous rendons grâce encore une fois au Seigneur de nous avoir gardés en vie pour toutes ses bontés, le pardon de nos péchés, le fait que 24 heures sur 24, partout où nous sommes, ces délégations spéciales d'anges veillez sur nous. Que de combats Dieu livre à notre compte. Que de victoires il remporte pour notre sécurité. Et pour la plupart du temps, nous ne nous en rendons même pas compte. Notre dette de reconnaissance, nous ne pourrons jamais la payer entièrement à Dieu sur cette terre, peut-être dans l'éternité. Alors, si vous êtes bénéficiaire des grâces de Dieu, si vous savez que sans Dieu, vous ne pouvez pas être en mesure de respirer maintenant, d'aller venir, de porter votre main à la bouche, de boire, de vous coucher et de vous lever, si vous êtes conscient que c'est grâce à Dieu que vous êtes là maintenant, élevez la voix avec moi. Élevons ensemble la voix de concert avec les myriades, des myriades d'anges qui le célèbrent tout le temps. Les 24 vieillards, les êtres vivants qui, autour du trône, n'arrêtent pas de le célébrer
de dire combien il est digne, digne l'agneau, comment l'agneau est digne. Élevons ensemble nos voix pour reconnaître la seigneurie, la majesté de l'agneau qui a été immolé pour nous. Oui, digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, tu es digne, oh, digne. Tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es digne, digne, Jésus, tu es digne, tu es digne. Roi des rois, tout puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Oui, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons notre condition. Je reconnais. Mes faiblesses, je reconnais ma petitesse, je reconnais que je ne suis qu'une vapeur, je reconnais que sans toi je n'ai pas de substance. Ô Jésus de Nazareth, nous voudrons te rendre hommage, nous voudrons te glorifier, parce que ce jour que tu nous as donné, c'est encore un signe de ton amour, c'est encore un signe de ta fidélité, c'est encore un signe de tes grâces, c'est encore un signe, ô Dieu, de ton immense bonté, ô Dieu, ô, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, priez. Reçois mes louanges. Oh, reçois mes louanges. Oh, reçois mes louanges. Nara, 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 kele, nara, kele, mo. Nara, 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 kele. Merci, ô Seigneur, merci, Seigneur, merci, ô Seigneur, merci, Seigneur, merci, ô Seigneur, merci, Seigneur, merci. Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, que le nom de l'Éternel soit béni au milieu de nous. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes encore là, fidèles à notre rendez-vous de l'étude biblique sur notre thème intitulé « Comment honorer le nom de Dieu par notre vie. » C'est de cela qu'il est question depuis des semaines. Et la dernière fois, nous avons entamé un autre volet de cette étude qui nous a conduit à commencer par explorer les voies par lesquelles nous pouvons honorer Dieu en honorant ses représentants sur terre, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Voilà, c'est de cela que nous avons parlé
au cours de la dernière séance et nous allons continuer aujourd'hui. Mais avant que nous ne continuions, j'aimerais demander à un volontaire de nous dire ce qu'elle ou bien ce qu'il a retenu de ce que nous avions déjà dit concernant comment nous devons honorer les hommes de Dieu. Est-ce que l'interprète du jour est présent ou bien présente? Qu'est-ce que nous avons retenu de la dernière séance, frères et sœurs? Personne? Ou nous avons tout oublié? Ma poule est quoi? Nous que mieux sur ni travaille, ma brave que Kenya debout, ma brave ame, et brave ame kawanya ma brave ame kawaya be ma brave ame, et de Kenya debout, un chilo, et oyame hame ham, o brave ame kocho, o bagbena, Christo, koko iso abapeto yo ma brave, et o gagobe, passo, pretty. Yemiyona ka okulebe mo ba mi paso katisi o father mo ba mi oyona oga ke le mo enya gboglom ya mo ba mi to ameko cho o ba gbedo anyi ke subo mau ke cho uruko na blibwa wa yo habe mo ba mi. Dada Mawira Okakaka, donc la sœur vient de nous dire que nous avions commencé la séance dernière en d'abord définissant ce ou bien celle que nous pouvons considérer comme homme ou femme de Dieu. Et nous avons dit que généralement, tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu et qui se sont consacrés à Dieu, nous les appelons des hommes de Dieu. Mais d'une façon beaucoup plus spécifique, ceux qui ont reçu l'onction comme pasteur, prophète, comme évangéliste, et ceux qui ont le ministère et de la louange et de l'adoration, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont consacrés à Dieu et qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils ont un ministère pour le bénéfice du peuple de Dieu. Toutes ces personnes-là, on les appelle des hommes de Dieu. Dada Meyo, et Georgina, on t'a bien, et t'en gagné un ami, à toi, Yéjia. Et Némicho, Yéjia, n'y a qu'à venir, Bablon. Oui, donc, j'apprécie beaucoup l'intervention de la sœur. Je sais que tous nous suivons l'enseignement avec beaucoup d'intérêt et je sais aussi que parmi nous, il y a des gens qui sont très discrets et qui n'aiment pas trop prendre la parole en public. Bon, qui voudrait encore nous dire, après que nous ayons circoncis ce que c'est que l'homme de Dieu, qu'avons-nous dit ensuite? Me garde un coup de cas. Et que et bien que si on kebe, à me cagner Elisa, ben nous cagner, à me cagner. De cagner ma bamero. Elisa le lit. Elisa, yes. Yeah.
yo fosena e de fosena home amere de menami ele be elisa mekonye moba monye alikeke amisisi nojiro edoko na kafi mauye enye elanyi la kafi mauye yo jublebe elawe enya gbledela agbledela enya ah enya gbledela yo gblebe nori kafi jova le mauve domi yeko pasa moba merwa kafi moba melajwa ebe nina eba misisi igledi eba misisi wa donka menye ko mauko amejo le boya e amebe au manto ke doage ke okuya e kwa meba misisi de peve ye e wonu gedo oui karun ko zuma tepe la sœur revient sur l'exploration que nous avons faite autour de du prophète Élisée et qui il était, quelle était sa fonction, quelle était sa profession plutôt avant qu'il ne devienne prophète. Et en répondant à la question, et il a été dit que il était d'abord un cultivateur, il était occupé à travailler avec ces 12 paires de bœufs avant que Dieu n'envoie Élie vers lui pour que Élie le loigne comme prophète après lui. Et nous savons que quand Dieu devrait enlever Élie directement au ciel, Élisée avait imploré Élie qu'il veut la double portion de son onction. Et évidemment, quand le tourbillon du Saint-Esprit a emporté Élie, pendant que Élie s'envolait au ciel, son manteau, symbole de son onction, est tombé par terre et Élisée l'a ramassé. Et nous avions dit que l'onction, la double portion d'onction qui reposait sur lui, était si puissante que même après sa mort, ses squelettes ont redonné vie à un mort qu'on a jeté avec précipitation dans sa tombe. Donc, la sœur est revenue sur ce que nous avons dit sur Élie. Donc, voilà. Si un interprète est disponible, ce serait bien que je sois accompagné. Merci. Autre chose que nous avons dit, il n'y avait que la sœur Améo qui a suivi l'enseignement. Frère Pomassi avait posé une question l'autre fois, et c'est cette question-là qui nous-mêmes nous a poussé à parler d'Élisée. Qui se rappelle de la question que le frère Pomassi avait posée? Personne? Ok. Nous allons continuer. Au cours de la séance dernière, nous nous sommes beaucoup attardés sur l'exemple de la femme tsunamite. Et cet exemple-là, nous l'avons lu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Et j'avais promis que nous allons revenir encore sur l'exemple de cette dame parce que son histoire regorge de beaucoup d'enseignements pour nous autres aujourd'hui. Je posais la question, si la partie technique peut réafficher le passage, ce serait intéressant. Je posais la question dernièrement de savoir si cette dame-là, la tsunamite, ce qu'elle faisait pour l'homme de Dieu, quelles étaient ses réelles motivations? Puisque le frère Anissé nous disait que
honorer les hommes de Dieu, leur les assister, les mettre à l'aise est une source de bénédiction pour celui qui ou celle bien qui le fait. Est-ce que la tsunamite, est-ce qu'elle recherchait une bénédiction particulière? C'est à cause de cette bénédiction-là qu'elle a identifié les besoins de l'homme de Dieu et a cherché à l'assister. Et après cela, c'était la question que j'avais posée l'autre fois. Qui voudrait revenir sur la question? Mais les cocos n'ont trop blagné le bougre, mais viria. Non, blobé, ni tole, mien, 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 tsunami non là et pendant et sur la baie ban non ya et de jcb elisha et ne dit chato drama va ya on me recommande dans le mot au plein aduna ta pobe mauma mea be dollar te wa wijiro et ye ou va le moji be ne ye be e ba le kaka no do yo mojumo ko wa ngba to yin ti o ngba to yin gba ko me ne wa dunu wa ho chi fa fere anu a fi wa gba ere mo mo zozo aji me se ri te pe ma o e ga ma le susu o kaka pa be o a me ya e a me gbe to yin vo gbore me pe me le si le yo mo duwa mi o e o ba gbran le sura mu chube na nyu a yo ma tu ho vi je glere de yo mo ho ta mi a da ba ti plon ku zi pe le akari de nene me kwa me lebe ne mauma me abale ya ne baba gbode mele afima afia ire mazola jima eh o blene so akwa o cho aleke menu acho ona eh elisha alebe isia ye elisha tuna alo va tuna do me kwa e ina de afima me eduna nu e gbona ju asi ga ina de pe maudo aji Nyabia senye bede. Ey meke nyonu ya. Nona mauma mia subo nene mare. Deye o nona domo nyo kiken uwo. Ple tamo susu toche de alode vide denti ya. Enona vide den nyale susu me afi nona. Anye jeno fofore mauma mia ntima. Awo. E won ne de ma o pe lon lo ti pe me do be o gbo be e ga to ni nyon wa anka ni kare ji be wa de vi de de ken ti o ma o be lon lo ke o be le si ayin ti ta wo le ye wo le wo ro donc la sœur est en train de nous dire que il est écrit que la dame était une dame riche que et qu'elle ne pense pas que elle faisait tout cela pour un intérêt particulier, que c'est l'amour qu'elle a pour Dieu qui la poussait à mettre à l'aise ainsi l'homme de Dieu. Autre réaction? J'aimerais encourager toute personne qui est en ligne maintenant avec moi de m'aider avec l'enseignement en m'interprétant. C'est un privilège pour nous que de servir le Seigneur pendant que nous sommes encore en vie. Pendant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en vie, c'est un privilège. Ça aussi,
C'est une façon d'honorer Dieu, frères et sœurs. Ne me laissez pas faire le va-et-vient comme ça, ce n'est pas à notre avantage. Alléluia. Amen. 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 Donc la sœur nous dit que elle faisait cela avec l'espérance d'une bénédiction, pas forcément d'une bénédiction matérielle, mais elle sait que Dieu peut la bénir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, continuons dans le même chapitre. Lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Plutôt jusqu'au verset 17, s'il vous plaît. Du verset 12 jusqu'au verset 17, et je nous prie de bien suivre la lecture. Cette partie du chapitre pourra nous aider à avoir une idée claire sur les motivations de cette femme pendant qu'elle cherchait à mettre à l'aise l'homme de Dieu. Sainte Thérèse n'est pas en ligne. Eh bien, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, frères et sœurs, suivez bien la réponse de la dame. J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Il y a un tsunami là-bas. Et il y a Géasi, Yéva, et Yéhova, et il y a Elisa, Glona, Géasi, Glona, pour nous, yo, Katan, mon ami, et nous, Kamia, on a, et Mia, Glona, on a fia, allô, Mia, Glona, on a, Ava fia, et Yon, nous, la, donc, Glove, mais, l'aigné, tout, quoi, d'homme. Et à n'y a pas de nonwana. Elisa Goulo. Mais nous camions. Et y a Géasi Globe. Voix. Vime, vime, tu me l'es. Et y a Estron Hanchi.
Eye Elisa troglona geyazi be yueva. Eye mekowo yueva la eva no rotuanu. Elisa glone be. Oyike bona le yi omela. Alevi. Vi nchuvi. Eye nyonu la glove. Pao nye apoto. Mau pe ame begable wo subola o ke le nyonu ya va fofu eye ojivi njuvi le peike gbo peike aloyi ke mau pame ya lone la ejivi deji tututu. Alors je crois que c'est la suite du passage que nous venons de lire nous permet maintenant d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'attitude de la dame, de ses motivations quand elle servait l'homme de Dieu avec tant d'empressement. Nous réclamons des filles. Pe nuita be mia se gominue nuita ye taruji nui ke le nyon wasi afi wo nobibimde waupa mea nti mia kwele pedo nti ome. A votre avis, si cette dame là cherchait quelque chose secrètement en montant autant d'empressement, est-ce que vous croyez que lorsqu'on l'a convoqué, que la réponse qu'elle a donnée, j'habite au milieu de mon peuple, que cette réponse-là montre vraiment qu'elle cherchait quelque chose en servant l'homme de Dieu? Le anukwareme, nenyebe ameya mnyonwia, nyekwe sebe ele nanedim la ayeme, yenti wole, ibiyunde maupame ya nti, yimeke maupame ya yue, biye nya. Aye worunti globe ye lagbele ye petu kodome. Mia deye nu runti ya fiobe e ele naneji le bebeme. Hafile nuo womna maupame. C'est une question. Ya wunye mia runti. Alléluia. Bon, avant même que vous le répondiez à la question, et quand Élisée lui a dit l'année prochaine là, tu vas embrasser un enfant. Elle dit non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Est-ce que vous croyez que cette dame-là espérait quelque chose pour qu'elle parle ce langage? Ce langage, est-ce que c'est un langage de foi? C'est un langage de foi, ça? Tu n'as pas d'enfant. On dit que tu auras un enfant. Tu dis ne me trompe pas. Est-ce que ce n'est pas l'incrédulité qu'elle a étalée comme ça? Alléluia. Amen. Allez-y. Ya. Ya me dit ma globe. Me do wa me le ngudo de eni. Me to no de kentio. Et nous, il y a nous, il est tout le temps le don, il est bien, bi black blubber, et ni non, de cueilli, il est tohé, alors il distingue, il est non, tout le temps. Je ne pense pas que la dame a autre intention pour servir l'homme de Dieu avec empressement. Parce que d'abord la Bible dit que
Elle est une femme distinguée. Elle a l'amour du prochain et elle exerce cet amour du prochain à l'envers du prophète. Donc, elle n'a pas de gomme à l'ouvrir avec eux, mais son nom est Koyeta, among Dodo, Len et Namene, Jima Hosse Menayo. Il me dombe, oh, eh, oh, le among Dodo, Lenui, eh. Gaz biesa na etia be menye menye jima hoseyo parce que me dong de me le ngdo de bénéfice de kam abi oba gbro nga mini la eta me ngdo do le nene amen amen amen. Elle n'avait pas envie de faire de quelque chose, elle n'avait pas l'intention de trouver quelque chose dans ce qu'elle faisait. C'est pourquoi elle a répondu que quand l'homme de Dieu l'a demandé, l'a dit que tu auras un enfant l'année prochaine à tel moment ou à la même époque, elle disait que à l'homme de Dieu de ne pas tromper sa servante parce qu'elle n'espérait en rien. Elle, ce n'est pas qu'elle n'avait pas de foi, mais c'est pour montrer qu'elle n'espérait en rien. Ce n'est pas à cause de quelque chose. Cause d'un avantage que la femme la servait Dieu ou bien faisait les choses qu'elle faisait à l'homme de Dieu. Et merci beaucoup, Monsieur, pour ta contribution. Qui d'autre voudrait ajouter autre chose? Il y a un peu de Vous ne voyez pas que l'exemple de cette femme nous interpelle, nous, à une époque où on nous enseigne à dire « je reçois, claim our blessing, claim, I claim it in the name of Jesus, I claim it in the name of Jesus, je reçois. » Quelqu'un à qui on a donné l'occasion de recevoir, elle dit « ne me trompe pas ». Est-ce qu'il a vu? Et pourtant, la Bible dit que, au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Je m'excuse. Donc,
Et puis, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Il y a Ok, elle est en train de dire que la dame n'avait besoin de rien parce qu'elle avait l'enfant, elle avait son mari, l'argent, tout ce qu'elle désirait, elle avait ça, c'est seulement l'enfant qui elle n'avait pas. N'avait pas, oui. Mais elle est âgée, donc c'est pourquoi elle a répondu comme ça. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de choses et on reçoit partout. Ce n'est pas le cas de la dame. C'est pourquoi elle a donc elle faisait les choses sans arrière-pensée. C'est pourquoi elle a répondu ainsi. Ateye Dilo. Bon, une petite correction avant que Dama nous continue. Okay. Et si nous voyons le verset 14, la Bible nous dit là-bas que c'est son mari qui est vieux. La Bible n'a pas dit qu'elle aussi, elle est vieille. Non. Donc, c'est une rectification. La Bible n'a pas dit qu'elle est vieille, que c'est son mari qui est vieux. Il y a trois ans, il y a une dame qui est 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 dame ye ewo minye be nyonu achi owo atogbe bi ameyi ode a esoro nchuwa echi ye bi blagro. Okay, mon avis a yenti le gbe ka nchuwa chi subwa peut-être elle son a vu ma gba ya te fofu alo ajivio donc a enu ka into le we le we pe be jifa. Ok, donc Dama corrige cette partie en disant que c'est plutôt le mari qui est vieux et la dame ne croyait pas que le mari vieux peut encore faire des enfants. C'est pourquoi elle a répondu ainsi. Donc elle faisait les choses avec un bon cœur, ce n'est pas avec arrière-pensée de recevoir quelque chose de Dieu. Merci. Dame, après, merci beaucoup. Qui d'autre a quelque chose à dire? Bon, si nous n'avons pas autre chose à dire en plus de ce qui a été déjà dit, alors la question, quelle leçon nous pouvons tirer de l'exemple de cette dame lorsque nous voudrons mettre à l'aise les hommes de Dieu, comme elle l'a fait. Dieu se bambe, me kati nyadele, ou piaga kokwe. Me nyade la marisia, me ate biogo, achonefa. Me nyade me la medesiwa. Mi babia mi atroere, babia ike mi biyong tibena. Nous sosron kaye mi atenga de cho, nuyame, ntinyayame, nyonu yako ntinyame. Ouais, ouais, des vinamines, les miens, les plombs, maoumé. Les alléies, maoubia, tu m'y as si bien, m'y a bon, et maoupam, moubo, m'y a pédounti, m'y a à ordre plus haut, aïe, m'y a, tu m'y a pu nous noir, monsieur Douanino, Lucas, nous sommes trop, aïe, m'y a tenga de tout, et yam. Alléluia. Amen. Un canyamopanibé, n'y a bon, mauva mou, mouibé miano, bon mon ave, m'y wenoa, n'y a pas mi alema, n'y a pas mi alemeu. N'y a wenos, de bé, le camia, n'emiato. Tu sais, m'y a voto spirituel, n'emi do moindre, ou non, m'y m'a doua rien passer, de bé, n'emi wea, a trolla va de la wea, de l'économie. Ala premier ti le mi mama yin ve eye mi dura no mi awe kun ye ba jifa ni mi atun wo ya e kun mi me jifa mi awe wa ara du tudu la ti do be o eni ma we wa ma ni wo ni mi awe wa ba na du tudu o ya we kun ye ba jifa apo ka ya dama entre de dire que
Et la leçon qu'elle tire, c'est que nous devons donner aux hommes de Dieu, pas avec contrainte ni avec arrière-pensée que nous allons recevoir quelque chose d'eux, mais nous allons le faire comme Dieu l'a recommandé, librement, et sans murmure, sans arrière-pensée que quand je fais ceci, Dieu va me bénir, c'est pourquoi je vais le faire. Quand je fais ceci, je vais le compter. C'est parce que c'est comme on le fait à notre papa, à notre père. Puisqu'ils sont nos pères spirituels, nous pouvons aussi le faire sans arrière-pensée. Et Dieu nous bénira. Et merci beaucoup, Dana, pour ta participation. Qui d'autre a une leçon à tirer de l'exemple de cette femme tsunamite? Le tsunami n'y a fait un tignama. Où sont mes lieutenants? Je crois que Badak Baoré est Kaolé. Allô? Fred, oui, allez-y. Je voudrais juste ajouter ceci. La dame en question connaît effectivement qui est l'homme de Dieu à qui elle est en train de faire du bien. Elle a entendu parler de lui et elle sait que c'est un homme de Dieu authentique qui marche dans la vérité de Dieu. Pour tirer notre attention sur si nous voulons faire du bien aux hommes de Dieu, nous devons faire très attention parce qu'il y a beaucoup, il y a aussi beaucoup d'ivraies, mais qui sont en train de détruire le royaume. Et souvent, ceux qui tombent sur les ivraies ont une mauvaise expérience et ils prennent des résolutions pour dire, je ne veux plus jamais soutenir un homme de Dieu, je ne veux plus jamais aider un homme de Dieu. Connaître l'homme de Dieu et avoir le... Allez-y, s'il vous plaît. Je m'excuse. Oh, non. C'est parce que ça a coupé là. J'ai cru que vous avez fini. Pourquoi? Vous pouvez terminer. Ah, ok. Simplement résumer pour dire que nous devons être sûrs que cet homme de Dieu est vraiment un homme de Dieu qui sert en esprit et en vérité. Nous devons avoir le témoignage de notre esprit que cet homme est vraiment un homme de Dieu. Lorsque nous avons ce témoignage, nous avons le feu vert. Merci. Ok, merci frère pour avoir attiré notre attention sur cet aspect de la chose. Autre intervention. L'autre fois, j'avais dit, je vais répéter ce que j'avais dit ici aussi, que la dame a su un besoin et elle a répondu à ce besoin. Pour répondre à un besoin pour quelqu'un, on ne voit pas derrière, on ne pense pas que c'est parce que tu vas le faire, parce que quelque chose, si je le fais, j'aurai ceci. Non. C'est parce que c'est un besoin. Quand tu me vois, je suis affamé. Tu as la nourriture. Tu ne vas pas dire si je donne à manger,
parce que Dieu va me bénir, je ressuscite, c'est pourquoi je vais lui donner. Là, c'est, tu l'as fait pour faux motif. Donc, il y a un besoin, je suis affamé. Et ça, c'est le besoin. Tu as la nourriture, tu me donnes à manger. Ce que Dieu va faire du reste, c'est l'affaire de Dieu. Souvent, nous sommes trop focalisés sur ce qu'on aura à gagner et ce que nous avons fait. Là, on est en train de faire le commerce. Mais la Bible ne nous a pas appelés à faire le commerce. Donc, ça, c'est mon premier point ici. La dame a su satisfaire le besoin de l'homme. Quand tu es focalisé sur le besoin de la personne, tu n'es plus focalisé sur ce que tu as gagné. Je vais t'interrompre. Il nous faut d'abord traduire ce que tu viens de dire avant que tu n'ajoutes le deuxième point. Ok. Ok. Elle a aussi fait, au point 2, elle ne l'a pas fait pour que l'homme de Dieu, c'est-à-dire pour plaire seulement ou bien pour montrer à l'homme de Dieu que c'est elle qui donne. Non. Elle ne l'a pas fait avec arrière-pensée de se faire voir. Ça aussi, ce sont des plaies que nous avons quand nous le faisons, mais quand nous avons l'arrière-pensée, quand nous avons on va le faire pour que la personne sache que c'est nous, pour qu'on sache que c'est moi qui donne. Quand on va parler de quelqu'un, on va parler de moi, c'est où tu as déjà eu les récompenses. Donc, Dieu, elle l'a fait librement, comme la Bible l'a dit. La libéralité, elle a donné librement. Et mi gale blombe nyon mi acha nyon mi a. Aye ole subo mauma mi a. Men le subo mauma mi a benani a desia bena yelona mauma mi a chowa mi siamo. Alone mauma mantiano a kobe yelona e chowa mi siamo. Ewe. Emi agbebe ewe voa mnye be mau mnye ma mau ma mi anto e wole wonu na mau ye wole wonu na ta me le we ple mo popo de ke be nane wa adogo chume na nye vi de toche na yinto iru ki o. Un exemple qu'on nous avait donné, quelqu'un avait témoigné dans une église que il a vu que le pasteur de l'église n'avait pas de télé et il a acheté une pause télévision et qu'il a donné au pasteur et Dieu l'a béni. Et il est venu à l'église témoigner. Mi khoda se di de po bena le rame de mi a. E va va me bena rame vide e do jesi bena yo me paso a. Pe tele me le home ne o. Ta e tue do do kwi ji e ye o fle tele. Bena paso be a tolo hiamanti. E me be a. Et comme les gens ont appris qu'il a donné télé et que Dieu l'a béni, donc dans le mois qui suit, le pasteur ne peut pas recevoir la télé. Tout le monde veut donner du télé au pasteur. Tout le monde achète une télé pour aller au pasteur. Ça veut dire que nous sommes des commerçants. Nous ne sommes pas des gens. Ça veut dire qu'on veut notre bien, c'est notre bien seulement qu'on veut.
je vais donner tes lits pour que Dieu puisse me bénir. Là, je n'ai pas un homme pour qu'on le trompe. Et ta, et me que mi no via di da se be nenema e pletele na ma ma me ko e ma wira ya e yo le tri kwa pa so mo pote pe a ko tele de a dare ma pe mo a mo gidi 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 a me sia me be e a me sia me vale pletele vale na pa so ku su su bera ale ma wira no vi ma vale da se dia ne ma una wa ira yo cha ne ne pe 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 me ne ne ma ye o yi na On me zona ple ma une no eh be nawa ira wa gomes selesi ta ichama we ne ma wa ira eh menye elle no na va pas so tele me gahian ne ple tele vale na que nous bolo ye la ole me la fode de yo mima comme les jeunes les autres ont dit notre focus notre point focal ne sera pas ce que nous allons gagner en faisant les choses, mais honorer Dieu qui a dit de donner à l'homme de Dieu, de subvenir aux besoins de l'homme de Dieu. Donc on va y no kaka miame jimia niyo la poa enye bena mi le debubu maunti esime mi le debubu ima amenti este defima vobe mano wo ple a conta benane no adogo chu menama menye afore de nyito et prier que Dieu mette les besoins sur nos cœurs et quand tu es focalisé sur le besoin par Dieu a mis un besoin sur ton cœur que tu vas réaliser ça tu n'as plus besoin tu ne penses plus au bénéfice que tu vas gagner parce que tu vois ce besoin là donc prions que Dieu suscite, Seigneur, donne-moi, c'est-à-dire à réaliser, à solutionner un besoin pour toi, un besoin dans ta maison, un besoin pour l'homme de Dieu. Là, ce n'est pas pour que l'homme de Dieu sache que c'est toi qui l'as fait, ou bien qu'on t'applaudisse, ou bien que Dieu te bénisse, ce n'est pas ça, mais plutôt, Dieu passe par toi pour résoudre ça, c'est ça. Merci. Kanebe mie le dubera le bia maobe maude humia menku ni ado jesi ehia si okele mapeme ehia si okele yeme amesia mina ujia nenyebe gbemado mi le da e mau humpuna mimi do jesi ehia si awa ke te fait de comme gat Antoine Noigny le miam susume et mia gaba buta mecho vide ke adogo chumana nti okan bon la hia fe along ti dodona hia e ko la nyanu ke a ho susume na mi ye megbe mia no dora e mi le be mi wela mauye ni wena me ya megbe toreko bena be mia ho feture ke chama re ke bo Oh, merci beaucoup, lieutenant Sénat. merci beaucoup. Oui. Donc, je vais, frère Dieu, donner. Oui, maintenant, là, mon deuxième lieutenant est là. Je suis content. Oh. Le grand déjà tout dit. Bon, seulement, je vais ajouter. Colossiens 3, verset 17, selon ce que le frère a déjà dit. Mm-hmm. Donc, Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Oui, que ce que nous allons faire, faisons-le, que ce soit en parole ou bien en œuvre, faisons-le, que nous faisons à Dieu. Si nous faisons à Dieu. Nous y okatamiawa. Ranye nukupu meyo. Ranye le doho de meyo. Miawe. Le mao pun kome. Miawe le yesu pun kome. A chobobu. Okatan plakwe dada anamao. Si nous faisons au nom de Dieu, je suis sûr que Dieu, lui, il ne va pas oublier ce que tu es en train de faire. Il va te récompenser à sa juste valeur. Nenyebe miwe nyerea le maupun kome abale maupulea maui dungbea
Les besoins de ce que le frère Sénat vient de dire, c'est très important. Aujourd'hui, nous, dans le corps de Christ, on a assez de besoins. Faisons tout pour pouvoir identifier réellement les besoins, que ce soit le besoin de Dieu ou bien le besoin de l'homme de Dieu. Et si nous touchons ce besoin, le Seigneur va toujours exaucer. Je prends le cas de Anne. Anne cherchait d'enfants depuis. Elle priait. Elle allait, mais jamais ça n'arrivait pas. Mais au moment où Anne est venue, et elle a pu identifier le besoin de Dieu, parce que pour honorer Dieu, parce qu'en ce moment, on disait que la parole de Dieu était rare. Nous savons ce que les enfants d'Élie faisaient. Donc, je pouvais dire que Dieu aussi était en train de chercher quelqu'un qui va venir m'honorer, qui va mettre maintenant ma parole en exergue, qui va commencer par faire selon cela. Et Anne est venue, elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je veux te redonner. Et nous avions vu, donc pour moi, c'est que Anne a identifié le besoin de Dieu. Anne a su que ce besoin-là, Dieu est en train de besoin de quelqu'un, d'un serviteur. Et quand Anne a dit, si tu me donnes, je vais te le redonner, nous avions vu après ce qu'Anne cherchait depuis des temps, Dieu a honoré. Donc en honorant Dieu, Dieu a honoré sa vie. Merci. Merci, frère Dieudonné, pour ton intervention. Oui, frère Tété, vous voudrez prendre la parole, n'est-ce pas? Oui, bon, je vais prendre la parole. Merci beaucoup. Bon, j'abonde dans le même sens que tous ceux qui m'ont précédé. Et mais je voulais venir avec ce verset dans Hébreux 13, le deuxième verset. Hébreux 13, verset 2. Ce verset dit, merci pour poster ceci, pour avoir posté. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Voilà. Donc, la dame de Tsunamite, ou bien la femme Tsunamite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a montré de l'hospitalité en faveur de l'homme de Dieu. Bon, je crois que ce verset ici nous encourage, nous autres qui voulons faire comme Christ, qui nous identifions à Christ, qui sommes des chrétiens, des chrétiennes, ce verset nous encourage à ne pas nous lasser de, c'est-à-dire à continuer à donner de l'hospitalité à tous ceux qui en ont besoin. Et mion ha
Voilà. Donc, en réalité, nous ne devons pas être surpris de ce que la dame a fait en faveur de l'homme de Dieu. Ça devait être quelque chose qui devait être dans nos habitudes, nous qui sommes des chrétiens. Voilà. Ok, je voudrais, c'est ça, tout simplement ce que je voudrais ajouter, mais ma femme a quelque chose aussi. Allez-y. Hey, allez-y, madame. Alléluia. Amen. Akpena, nous sommes sur Akpena Tichacha. Donc, moi, ma soeur, bébé, na. Dans l'enseignement, nous avons vu que Élisée n'est pas venue exprimer ses besoins à la dame. Mais la dame a observé, elle a su que ça, c'est un besoin pour l'homme de Dieu, pour son ministère. Et elle a essayé de résoudre ce besoin-là. Ma oba me lava grona mi be nu ya reke hiaye enu ya reke hiaye kengbo ho mi a onyu nya onyu na ma oba me o si tu ke nu son son agbena mi be na ma oba me o mu lo oto nya we lo oto e pe me nya we la pero ne ne pe ba me o nti lo wa pe hia hia o mu kan be na o lava alo la bio mi kengbo ho. Donc l'enseignement nous encourage à faire du bien à l'homme de Dieu et on nous a dit dans l'enseignement que ceux qui sont mis à part, ceux qui travaillent pour Dieu, ils sont en plein temps dans l'œuvre de Dieu, ne travaillent pas. Ils sont comme les Lévites dans la Bible, leur a interdit de travailler. C'est nous qui travaillons et c'est nous qui sommes leur champ. Nous ne devons pas attendre qu'ils viennent nous dire d'abord leurs besoins avant de réagir avant de le faire pour eux. Mais nous devons les observer, savoir que l'homme de Dieu a besoin d'une voiture, l'homme de Dieu a besoin de ceci, l'homme de Dieu a besoin de cela pour faire le travail. Et nous devons être prêts à intervenir pour satisfaire ces besoins-là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous donne le discernement pour que nous puissions discerner, nous puissions voir les besoins qu'il faut. Alo le kuhere me al dolele alo nya jora me ji alo nde ami a go bira kaka mule hodun ti o ma oba me alo mi glona na me alo ma oba me la tona me abena ne panu alo ne so nde va do ma oba agban me alo ne nan ke la kasi ma obe jinti ye ma ulado de kepe hian hian ti ni dola be ninu pepen le ti anu pepen fo na be gina lo java na no ananu nu pepen enu ani pen mede le ku hekele ji o wa ninu apen yede e la kasima obeji nti ma wola de so wo bi be nono mi wa de se no nso so lo wa be kristo to ni ade de mi na zona do ene be nya o dia enya bi se ene. La maman dit qu'elle a une question, elle a posé la question, et la question est celle-ci.
Et aujourd'hui, nous observons dans la maison de Dieu que les gens qui traversent des problèmes, des choses, ils prient et ils n'ont pas de solution. Mais souvent, il y a des hommes de Dieu qui se lèvent et disent il faut faire une semence, il faut semer, il faut donner quelque chose, il faut faire une offrande digne de ce nom. Il faut, quand tu, le problème est lourd, ça veut dire que toi aussi, celui qui doit l'enlever doit être lourd dans les offrandes, il faut donner quelque chose qui reflète ton problème pour que Dieu puisse les enlever. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est conseillé de suivre de tels propos? Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? Si je suis fidèle à l'interprétation. Maman, ça va? Oui, ça va, merci. Ok, ok. Alors, c'est ça la question. Oui, pour qu'on gagne du temps, comme le pasteur est en ligne, je vais lui donner cette question-là. On lui donne. Il y a les dents là. Ok. Bon. Merci beaucoup pour la question. Akweda Babia. Internet a refusé. Bon, oui. Bon, vous le constaterez vous-même que le réseau du pasteur ne marche pas très fort en ce moment pour qu'il puisse nous être en bénédiction en ce moment. Donc, veuillez l'excuser. Ok, mi propre pasteur, Internet a goûté à me dire que je vais atteindre un peu de temps. A te trova nini we ga me ye ka de moi on bien noyé dit. Voilà la question de la sœur et qui aimerait apporter un élément de réponse. Allô? Moi je vais appeler quelqu'un. Qui est venu? Ben. Pense-nous. Oh non, ça affiche chez moi. C'est pourquoi je t'ai appelé. Ovi Ben. Le frère Ben est toujours muté. Bon. Je vais essayer. Ah, ok, allez-y, frère. Pour faire les sacrifices, ou bien, bon, je peux dire, oui, c'est autorisé bibliquement, nous pouvons le faire, mais venir dire que tu es en train de chercher quelque chose et que ça ne vient pas, mais vu la grandeur de ce que tu cherches, il faudrait que tu donnes aussi quelque chose qui pouvait, et à cause de ça, ça va toucher au cœur de Dieu. Ça, je ne suis pas, c'est comme nous sommes en train d'amadouer Dieu. De ce côté, je ne suis pas d'accord. Ok, bien, bene wa kasimo pe jintia le sibe mie le mau florentie ne e aye me da sire ajo. Oui, donc tu peux donner pour moi. Si qu'est-ce que quelle est cette chose là que tu vas donner, c'est ça qui va influencer Dieu. Normalement, qu'est-ce que tu peux donner? Et Dieu, c'est Dieu qui possède tout sur la terre, tout ce qu'on a. Qu'est-ce que toi, maintenant, toi, tu vas donner, c'est ça là qui va faire que Dieu va trembler. Et à cause de ça. Mais pour moi, même en donnant, quand Dieu voit ta, c'est le cœur que tu as, et Dieu va répondre. Mais quand on vient nous dire qu'il faut donner à cause de ce que tu as donné, Dieu va faire. Pour moi, je peux dire que c'est une manière quand même de parler, mais c'est une manière de nous dire de donner.
C'est vrai que des rois dans la Bible, Salomon, des gens ont donné. Ils ont fait des sacrifices et Dieu a vu la grandeur. Mais pour eux, ce n'est pas que bon, je vais faire ça et ça va toucher le cœur de Dieu, Dieu va agir. Bon, ils ont vu à cause de la bonté de Dieu ce que Dieu est et ils ont fait, Dieu a dit, bon, à cause de ceci, ce que tu as fait, je vais faire ceci. Mais pour moi, n'allons pas dans l'intention que quand je donne une grande somme, ou bien quand je fais ceci grandiose, Dieu aussi va répondre. C'est comme, bon, quand tu vas faire des affaires, il faut déposer une pierre sur tes papiers, comme ça, bon. Il faut mouiller la barbe aux gens d'abord, non. Dieu est fidèle, il est juste. Nous n'allons pas aller amadouer Dieu. Donc, bon, de ce côté, c'est ce que moi je peux dire. Selon mon entendement et selon le peu que moi je connais sur Dieu, n'allons pas amadouer Dieu, mais faisons ce que ton cœur te dit réellement. Et Dieu qui voit dans ton cœur, il va répondre. Ok. Il y a une question qui est venue à la maison. Il y a une question qui est venue à la maison. Il y a une question qui est venue à la maison. Il y a une question qui est venue à la maison. Mais je ne le dis pas aussi. Si tu as de l'argent, tu as quelque chose de faire, ce n'est pas à cause de ça que je dis d'aller donner $1, $1, non. Même si c'est $1 que tu as donné, donne ce qui vient de ton cœur. Et en réalité, ce que tu as, donc, ça vient de ton cœur et c'est ce que Dieu approuve. Mais ne mettons pas. Ok, je me le regrette, mais il y a des dollars et 4 jours. Et nous, il y a des gens qui sont venus à la maison. Ce que la sœur a dit, moi aussi, j'ai écouté des pasteurs, des prédicateurs, ils ont dit ça. J'ai écouté, les gens vont dire que bon, quand tu vois que ton besoin est tellement, il faut aller faire des sacrifices comme ça, il faut donner des choses grandes et tu vas voir Dieu va agir. Pour moi, quand c'est comme ça, moi, je ris. Selon moi, pourquoi j'ai dit, je disais que au moins le pasteur que moi j'ai avec moi, il n'a jamais dit ça. Le yai boa, miame, au soffre de miagua, mais pour un ami quoi. Donc, c'est pourquoi moi je l'ai dit. Donc, pour moi, si tu pries, Jésus a fait, il a guéri les lépreux. Et c'est après que quelqu'un est venu lui dire merci. Ça aussi, oui, Dieu est capable, si Dieu te fait, tu vas venir lui dire merci. Mais chaque fois, il faut amener grand chose. Non, ça là, c'est une manière de parler. Merci. Ok, Nénébé, Dieu Béda, Maoussene. Mi pobe Yesu dagbena mi a odole la wo afi emegbe a over da pe menye koko be wa wonde afi mawo adeson se comment comme OK alléluia amen yeah si je veux mieux comprendre la sœur ebe ala gogo be am enwale amahia amiado besoin. Il vient à mes deux besoins, les filles qui ont déjà pas pu aller d'ailleurs de toi la gâteau dit. Mais là, oui, il peut coucou à la dame, le dame. Ah non, disons, eh bien, vous revenez, nous pouvons le dire, nous pouvons le gagner. Il vient à mes deux besoins d'argent. Oh, il y a coucou, mais gamme besoin. Par exemple, à mes atteignes, elle est dit, nous devons nous donner, nous donner. Gâté non merci, ils envoient, mais alors dis-nous des paiements où nous en aille. Moi, elle veut venir à moi, soit bon, ben à moi où nous en aille. Et bien gâté, gâté plus. Wattez-moi, bon, et ben nous, il est dit à côté,
Rula ou Nana, Watriaco, hein, Capuan, Ludo Puyo, Globenu, Pelletia, Nuque Pigbene, Ludo Cogno. Ok, la traduction. Ok. Dame est en train de dire que si la personne est dans le besoin et n'a pas d'argent, comment on peut dire, lui dire, où est-ce que cette personne va trouver d'argent pour aller faire ces offrandes-là. Donc, je suis en train d'expliquer que ce n'est pas forcément l'argent. Et si tu as des besoins, tu peux avoir de l'argent, mais avoir d'autres besoins que l'argent ne peut pas résoudre. Et que quand tu, l'homme de Dieu peut te dire, c'est-à-dire, souvent on écoute qu'il faut faire des offrandes dignes de ce nom, il faut, donc c'est ça, ce n'est pas forcément l'argent que tu as besoin, mais tu peux avoir besoin de d'autres choses et on te dit de faire des offrandes, de donner, de faire des semences pour que Dieu puisse agir. C'est ça. Ok. Moi, c'est ça. Hey, allons-y rapidement. Il est 8h20. Ok. Je veux dire que si c'est Dieu qui le dit réellement, c'est bon. Mais le plus souvent, quand il s'agit de des choses-là, il y a des aberrations qui arrivent juste pour pousser les gens à donner, pousser les gens à vider leurs poches. C'est là où nous devons être prudents dans ces choses. Nous ne pouvons pas dire de facto que quand on nous dit de faire des offrandes, ça veut dire que la personne n'est pas en droit à ligne droite, mais il faut voir les circonstances, comment on le dit, ce qu'on nous dit de faire là. Et souvent aussi, quand nous sommes à l'écoute de Dieu, Dieu met sur notre cœur ce qu'il faut faire. Donc, on prend ça avec pincette. Ce n'est pas, on ne peut pas refuser d'une manière en même temps que c'est chaud, mais il y a beaucoup de gens qui trompent aujourd'hui. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc, à mon nom, vous pouvez Ok, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait parler ou une question? Bon, j'aimerais avant cela, j'aimerais demander à Madame Pomassi si les interventions des uns et des autres vous ont éclairé. Maman Pomassi, oui, ça va. Merci pour la réponse. Ok. Merci aussi pour les intervenants, ceux qui ont répondu. Je me refuse de faire des répétitions. C'est pourquoi je ne reviens pas sur ce qui a été déjà dit. Seulement, s'il y a quelque chose à corriger, je vais le faire. Nous yo glova ya ida siroji me dibe ya gbole ko ta e obe ye me ya trovejo le ye be to pasito tro le nan ntilea ya ke ko kurenti. Bon, la dame dont nous sommes en train de parler, je ne crois pas que c'est quelqu'un qui l'a motivée pour qu'elle aille faire ce qu'elle a fait. C'est vrai que des fois, nous avons besoin d'être motivés pour que nos yeux s'ouvrent sur certaines choses qui nous échappent.
Nyonu ya penti nya sromiele ya yemo kwetwe amade ro fofotane tutu ipeni wonu ya afi dongse afi otono wa yalo yi ale te pebena amru tutu na mi vide wa hian gado me bunu tutu mi vide wa ro fofotana wa glonyadu wa dongse mi afi mi amen ku wa bude ka hian donti abure mdo do ma ku do pa pa donti wa penye gasia gam. Si nous revenons au passage qui retient notre attention, c'est elle-même qui est allée dire à son mari, en plus de la nourriture que je donne déjà à cet homme, est-ce que nous ne pourrons pas lui aménager une chambre spéciale pour son repos? Cela montre que c'est quelque chose qui est né d'elle. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui lui a dit que c'est ça qu'il faut faire à l'homme de Dieu. Yento inyole me ni mitroire nya ntinya ngia ni miklia yento globe to vuna nu dudu ike wo miele na maupa meade de manyo ayi so gbagbere nene na de manyo be mi a ho vire de chine be ne va ina kwa te wa a no me adi de me afia de ire mo zo son jiwa me nya ma de tutu yento me wonyone. Et nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres à faire le bien. Mais il faut que celui qui exhorte les gens en les poussant vers Dieu et non pour des motifs personnels inavoués. Miel et tout, benami a donc ce miano, et mia gogo maou chan, waniwe amade a donc sa me, a tout amade y maouboa, mia we, le nye tome, y maoue. De talojinu alo vide toke ike le mio mia pole me antio va mia webena mau pedo alo mau wenya ne wakaka. C'est pourquoi Paul en parlant de ces faux ouvriers là a dit dans Philippiens chapitre 3 je crois que leur dieu c'est leur ventre. Et à ta Paul et wa ponucho lentia egbula le Philippe pour Philippe to pa gbalé. Alors, depuis le temps de Paul, il y a ces gens-là, pour leur propre intérêt, ils vont manipuler la parole de Dieu pour berner les gens et profiter de leur crédulité. Tu parles de la parole de Dieu. Ike yenye amuho o trona to noa po vireta wa troa bo ma upenya wena wa tunga po virele me ta eli hoho kokoye obia chumia wawe mia jaye. Oui, c'est ça. Il nous faut rester éveillés pour que nous ne soyons pas distraits par ceux qui utilisent la parole de Dieu comme un emballage pour enrober leurs propres intérêts. Alors, notre heure a sonné, mais retenons de cette dame que elle nous laisse une leçon importante, quand bien même elle n'a pas dit je reçois. Au contraire, elle a dit que ne me trompe pas, une parole négative. L'onction de Dieu a override son incrédulité apparente et elle a couché quand même. Yo bloga ke maupenya maupe amishishi ike le nyamea eto edu epeji makosiaji eye nyonu ya efofu jipi abale maupa me akole ne. Donc nous voyons que la noblesse de cœur de cette dame et sa bonne disponibilité à honorer Dieu a fait que la grâce de Dieu a surmonté ses faiblesses et ce qu'elle n'espérait même pas, elle l'a eu. Que mia pebe nuit que mon réunion nous yamo pomona. Mon mau penya alaye peji le allo dans mon nuit ou en nuit mau pe mau pe rintibera nuit yamo pomona ha vamene
Oui, c'est pour nous dire que, et que nous prions pour que nous aussi nous soyons dans nos cœurs comme cette dame-là, que nous soyons de bonne disposition, que nous aimons Dieu sincèrement, sans calcul, sans intérêt, que nous aimons Dieu d'une façon délibérée, que nous le démontrons. Si nous le démontrons comme ça, comme Dieu a fait fi de ses paroles négatives pour lui donner quand même un enfant, je suis sûr que si Dieu voit que nous ressemblons à cette dame, même si nous avons une petite foi seulement, si nous ne clamons pas, je reçois, même si nous ne disons pas cela, Dieu qui ne se trompe pas viendra au secours de nos faiblesses pour répondre à nos besoins. Il y a beaucoup qui aujourd'hui utilisent l'assistance aux hommes de Dieu pour les manipuler, pour les contrôler, pour atteindre d'autres objectifs. Ne sont pas de ces gens-là qui profitent de la fragilité des hommes de Dieu sous prétexte de les aider, on cherche à les contrôler. Il y a une église qui était très, très, très généreuse. Les diacres étaient très généreux envers le pasteur. Le pasteur ne manquait de rien jusqu'au jour où le pasteur a prêché sur la polygamie. Et alors, le décor a totalement changé. Et il faisait feu de tout bois pour qu'on affecte le pasteur de leur église qui n'en veut plus. Parce qu'il a touché à quelque chose qui est tabou. Dans ce milieu-là, le pasteur ne doit jamais prêcher contre la polygamie dans leur église. Ils ont coupé tous leurs robinets, ils ne voulaient plus le voir. Et toi, tu es mon pasteur, non? Sont aussi très généreux envers les grosses têtes de l'église. Ils vont chaque fois les saluer avec des coqs, avec des chèvres, avec du maïs, avec du riz, et parce qu'ils sont généreux envers ces responsables de l'Église. Ce qu'ils espèrent, c'est que ces gens-là approuvent leur voix.
pasteur church me plora ga won ha o yin o gbo be do na gbonu kle egbon o kuklo e bli molu o yin a vo a o be taruji nu be vieto enye bela ne pasteur me ga chitrere yo ko mo unti o nu yo ke yo dia ne pasteur ne da sireji eta ole eta ye amugugu amuru wonero. Et pour certains, le diaconat, c'est une affaire d'honneur. Le diaconat ne doit jamais quitter leur famille. Donc, de père en fils, ils doivent être diacres dans l'église. Alors, c'est des campagnes électorales. Et ils font des générosités envers les hommes de Dieu avec le seul but pour que le vote soit en faveur de leur maison. Hana Modoya, Mausubola, Hamagampo Doa, and ye door, a Bubudam and Tibodoi, that Modola Julia, you work for more, as you see, if you are doing any toad, Viallavadi, Tobby of Viallavadi, Le Havia Meta, what was the Sia de Vena, while the pastor de Asi, Bene Pastor Muga, the Mobina, Omugatia over, Unye, Hamagao, Hello, Hamasubola. Non, je donne tous ces exemples pour dire que nous devons suivre l'exemple de cette dame en étant effacée, sans calcul, en honorant effectivement Dieu, en ne cherchant pas un gain personnel. Et comme le frère Dieudonné l'a dit, Dieu qui ne se trompe pas, Dieu qui lit nos cœurs, Dieu qui lit la sincérité de nos cœurs, même si nous portons des masques, Dieu qui ne se trompe jamais de personne, s'il constate que ce que nous faisons, nous le faisons d'une façon semblable à ce que la dame a fait, comme ce que Dieu a fait pour cette dame-là, certainement il nous le fera aussi. Abali kemia for Dieu dans les blen ni ave mau mo blen mo blen na mau mo flu na mau mauya etendo chonu chonkume ete blata ete wore siade wa mo mo po do jesi ha mauya nyao ta mauya mi mate flu jesi mi ape chiu me nya susu yele tamena mi ta mi anye be mo ne maule mi mate flu ta mi a chochi fa awe be na ne mi wea amo mate nko Donc, voilà l'exemple de la tsunamite. C'est sur cet exemple-là que nous allons finir aujourd'hui. Et lundi, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Parce que le pasteur m'a appelé pour dire que, oui, il dit qu'il a essayé, il a tout fait, mais que la connexion ne va pas. Et de dire au frère Sénat que c'est lui qui a fait, que c'est lui qui a demandé, que c'est lui qui ne dort pas. Merci beaucoup. OK. Donc, que le frère Sénat a fait donner la connexion au pays. Oui. J'aimerais demander. Quand on dit je reçois, je fais ça, c'est même pas bon. Ok, dame avait un vieux souvenir de nous comme il quoi. Donc, bon, il y a ou le challenge, le quoi, et qu'à Ebremenua. Ah non, je ne dis pas que c'est mauvais. Je voudrais dire que pour que je reçois là, nous donner quelque chose, il faut ressembler à cette femme. Je me globe, menu au voir, café, nénube, watemwa, à défi, à nous le watemwa, chuleme, manigna, comme glore, yamoa, mirola di nyonuya. Même si nous ne le disons pas, ce que Dieu a dit, ça va arriver, c'est ce que nous venons de voir avec cette dame. Nemi mokbre, hawa, emi, mi le nonomi, nuetomea, nui maouglo, avame, emi po de moi, le nyonuya. Quand nous multiplions, je reçois, cette dame a dit, ne me trompe pas. Amen. Ne va, mais.
et nous n'y avons pas. Nous n'y avons pas. Nous n'y avons pas. Voir. Tout est peu à venir. Nous n'y avons pas. Nous n'y avons pas. Tout comme quoi sera. Va mener. C'est à nous de voir quelle parole pèse le plus. Nous avons dit que nous avons dit que je pense que c'est facile de multiplier, je reçois, mais c'est difficile de dupliquer ce que cette dame-là a fait dans la réalité. Voir, mais c'est bien la mia ou nuit, qu'il y a un noir de dit tout à y a dit ma ou le tout mia ou mia ou nuit à venir m'y gagne mon coué chaque coma et au requin ou autre et tout. Quand les mimes n'ont pas nuit, mille fois, mon coué, et y a y que et j'ai été à dire à grand-mère. Dama, me quoi. C'est pourquoi nous étudions. L'exemple de cette dame-là doit nous faire repenser notre marche avec Dieu. Elle veut mettre trop de temps, elle veut mettre trop de temps, elle veut mettre trop de temps, elle veut mettre trop de temps. Mais nous avons fait un peu de temps, on va faire un peu de temps, amen. On va faire un peu de temps, amen, de nous, on va faire un peu de temps, 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 on va faire un peu de temps. One week of my phone, I will blow. Where's a belly can we are wet? And Nanua, my neck with a lugino de co. A yenny bova blown your money for you where you wear bear a sockbo. One even my origin and never blow you where. A own tag blank, one minute when a black cocorola vamo. Mais pour moi, c'est problème de la personne, même si tu dis tu reçois et que tu ne pas recevoir, c'est ton problème. C'est pas problème de qui que ce soit. Yeah, c'est pourquoi nous enseignons que il faut mi le fi ave mi a hwe donc a nui ke hia na mi be mi a waka fi a hwe a ye mi le blon. Nous enseignons, nous sommes là pour apprendre comment recevoir et si on doit parler parce que tout le monde dit je reçois, on va dire il faut dire ça seulement. Non, on va vous apprendre ce qu'il faut faire réellement pour recevoir. C'est ce que nous faisons. Et maintenant, si le pasteur dit recevez, ce n'est pas mal, mais il faut que ta vie soit conforme à ce qui doit recevoir avant de recevoir. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit ça que tu dois recevoir, que tu vas recevoir, non. Tu peux dire, tu peux crier d'ici demain que je reçois, mais à la fin, tu ne vas pas recevoir quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le problème de la personne, c'est le problème de qui que ce soit. À la chapelle internationale, Dieu nous a donné cette grâce-là. Dieu nous a pas appelé pour bluffer les gens, pour leur entretenir dans des illusions. Les miens fait church me le fait à ma ouvert mien nous bena mimeva blena morinti a blaudenti a globe nuit dia mo le mien blena vea ou a quoi si pena mi a o. Lui, quel est le prix à midi, mi agbre, ne mi a te djipo. Donc, nous remercions les uns les autres pour vos intérêts
que l'intérêt que vous accordez à cette étude, que Dieu nous fasse grâce pour que, au sortir de cet enseignement, que notre attitude change envers ceux qui ont abandonné leurs 12 paires de bœufs pour servir Dieu, que nous ne les laissons pas affamés et sans logement. Et moi, on veut mis en nouvelle, nous serons après nous à mis à ce nouveau gomme. Benamé, il est globe à glori, au globe ni, au di, au globe d'or, au globe sucouri, à moi, sucour, au corps, diplôme, water, au doha, au blé d'ari, et il va le mauve d'homme, et me mega glori be, et donne ou. Ben, miam, you, maume, you over miaw, and in your maum, you over miaw, don't toi, you la doa sirobo. When I don't have what to unlock, when you are not where I was a vivina, doika, wamule, and amawa, what to wa we. But my only me and women at my way, from my way, when I may even a mea joe, may even a mea hong kola mea bo, may be from my way, the mauta. Remercions le Seigneur avant de nous séparer. Éternel des armées, nous voudrons te remercier. Nous voudrons te demander avant de nous séparer que cette nuit même, que ton Esprit Saint visite tout un chacun de nous pour éveiller nos esprits. Il est écrit que tu éveillas l'esprit de Zorobabel. Éveille nos esprits pour que nous discernons quels sont les besoins réels de ta maison, de ceux-là qui ont tout abandonné pour se mettre à ta disponibilité. Seigneur, et donne-nous d'imiter la tsunamite à agir dans la simplicité, sans arrière-pensée, te mettre en avant, rien que toi et personne d'autre. Seigneur Jésus, transforme chacun de nous. Aide-nous par la puissance du Saint-Esprit à avoir le désir intense d'émuler cette femme, de lui ressembler d'une manière qui te plaise. Seigneur, parce que même si, quel que soit ce que nous ferons, cela ne sera jamais à la hauteur de ce que tu nous as fait. Nous ne pourrons jamais faire quoi que ce soit pour t'impressionner. Mais le plus petit que nous pourrons faire, que nous le fassions dans l'humilité, dans la discrétion, par égard à ton grand nom et rien de plus. Bénis tout un chacun de nous, toi qui ne te trompes pas, toi qui connais toutes tes brebis, tu sais nos soucis, tu sais nos craintes, tu sais nos difficultés, tu sais nos attentes. Dans le nom de Jésus, que ta paix accompagne ta fille, que ta paix accompagne ton fils. Seigneur, dans quelque situation qu'il se trouve maintenant, que ta délivrance vienne le rencontrer, la rencontrer. Seigneur, relève celui qui est tombé. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui a faim, rassasie le Seigneur Jésus. Celui qui est malade, Seigneur, guéris-le. Que ton sang puissant guérisse, Seigneur Jésus. Seigneur, là où le diable rôde, Seigneur, que ton bouclier protège tes enfants, petits et grands, ceux qui sont ici comme ceux qui sont dehors. Seigneur, que personne ne manque à l'appel dans le nom de Jésus. Père, des idées fraîches, des idées nouvelles, selon l'heure qui sonne dans l'horloge du palais. Apprends-nous à marcher sur cette heure et à discerner les vraies priorités de ta maison pour marcher par la foi et agir par la foi. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Maouira, mi pété. Amen. Oyira tchalo, directeur. Amen. Oyira mi tchalo. Yo. Donc, Maouira lo. Maouira mi kekem. Oui, alors.